Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Garten of Banban. Il y a un deuxième jeu et un troisième jeu, mais ils sont payants, et un quatrième qui arrive bientôt. Donc vous me dites en commentaire si vous voulez la suite. En tout cas, aujourd'hui c'est parti pour le premier jeu. Alors j'y ai déjà joué, mais on va le refaire ensemble. Et en plus, j'ai déjà vu des vidéos sur le jeu est assez connu. Mais bon, j'avais envie quand même d'y jouer. Donc c'est parti. Normalement, il dure pas très longtemps, une petite dizaine de minutes. Donc c'est parti. Alors évidemment, pour jouer au jeu, pour ceux qui le savent pas, vous devez mettre votre clavier en anglais. Et pour mettre votre clavier en anglais, il faut faire Windows espace normalement. Donc voilà. Bon, je vais quand même pas trop non plus speedrun le jeu, faut pas abuser. Mais comme je connais un petit peu, voilà. Au moins vous découvrez en même temps. Et puis comme ça vous n'avez pas une vidéo non plus qui dure 40 minutes. Donc là, je pense qu'il va falloir mettre ça ici. Les graphismes sont assez bien. J'aime bien. Moi tous les jeux comme ça d'horreur j'aime beaucoup. Genre avec des délires assez cartoon, etc. J'aime bien, j'aime bien. Le petit drone. Par contre ça, j'aime pas trop la mécanique. C'est dommage. C'est vrai que c'est la mécanique principale du jeu, mais moi j'aime pas vraiment. Pour être honnête, je trouve le drone il est lent et tout. Mais vas-y, c'est pas grave. Hop, on l'a activé. D'ailleurs, si des gens savent, si jamais on peut rentrer là-dedans ou même là-bas, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Parce que j'ai oula, j'ai l'impression qu'il y a des easter eggs. Mais qu'est-ce qui se passe si on va là-bas? J'avais envie de tester de rentrer dans le noir, mais on va éviter. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Ok. Là-bas. Du coup, là, les gars, on a une pièce secrète, mais je sais pas comment on y va. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça me serait d'une grande utilité. Ok, là, on va devoir trouver des petits œufs. Là, on a une petite note. Ok. Là, on a un œuf. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Bon, du coup, je sais à peu près où est-ce qu'on a certains trucs. Même si, bon, j'y ai pas joué non plus super souvent. Là, je sais qu'il y a un bouton. De toute façon, le jeu est assez simple en réalité. Allez, mon petit drone. Et je crois qu'on a presque tous les œufs là. Il doit en manquer un seul. Après, vous mettez les œufs dans sa bouche. Ok, je crois qu'on a les 6, donc c'est pas mal. Allez, rentre là-dedans. Glou, 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 glou. J'aime bien le bruit. Boum, boum. Ok. On prend la petite clé. Si elle veut bien sortir de sa bouche. Ok. Attendez. Ouais, ça, on peut pas le casser maintenant. Et donc là, on va devoir aller où? On va devoir aller là. Parce qu'on a une clé jaune, donc c'est pour ça. Et on va devoir péter la vitre. Hop. Sauf qu'il faut péter celle-là, je crois. Parce que celle-là, j'ai l'impression qu'elle marche pas comme vitre. Donc c'est un peu bizarre. Sauf si je dis de la bêtise. Sauf si je dis des bêtises. Allez, mon petit drone. Wouhou! Attendez, d'ailleurs, on va regarder sur les chaises. Il y a peut-être une clé cachée quelque part. Parce qu'il y a des salles fermées, on peut pas y aller. Donc ça me perturbe assez. C'est vrai que c'est perturbant qu'il y ait des salles et que tu puisses pas y aller. Allez mon petit drone. Plus vite. Bien joué mon ref. Y a rien de caché par exemple, vous voyez. Soit c'est très bizarre. Mais bon. Donc là on a eu un marteau. Ils auraient pu donner un pied de biche. Ça aurait été un peu plus logique. Parce qu'on casse pas des trucs avec un marteau. Ok, c'est parti. Il faut que j'appuie où? Ah, là-bas. Attendez, d'ailleurs, ça, est-ce que c'est pour activer l'électricité ou pas? Parce que si ça active l'électricité, ça veut peut-être dire qu'on peut aller dans la salle qui est à l'avant, là-bas. Parce que moi, j'avais vu qu'il y avait une salle ici. Ah, là, il y avait un truc aussi. Mais là, vous voyez, on peut pas y aller. Je comprends pas.
C'est assez bizarre. Bon bah du coup vous me direz en commentaire les gars si vous savez où est-ce qu'il y a des easter eggs. Mais pour l'instant moi je les connais pas. Donc voilà. Ok c'est parti. On va aller voir ce petit monsieur oiseau bizarre. Oula. Ils font toujours peur les bruits quand tu les entends. Je regarde un peu partout pour voir si jamais il n'y a pas une carte cachée. Bon là il va falloir se rappeler des couleurs de tout le monde. Et je me rappelle des couleurs de tous. Oh il y a un truc caché là-bas, il y a un papier. Je me rappelle des couleurs de tous les petits monstres. Sauf le petit là-bas. Attendez, d'abord on va prendre ce papier. Je crois que je l'ai jamais pris ce papier, même dans les autres jeux. Ah si, je l'avais déjà pris, ok. Alors lui il est rouge, c'est le perso principal. Elle est blanche et pas rose, attention. Même si on peut pas très bien distinguer les couleurs. Lui il est vert. Lui c'est le gros monstre. Donc c'est normal qu'on le connaisse. Lui il est rose. Du coup c'est le deuxième. Lui il est orange. Donc le dernier. Ok, c'est un peu long. Et du coup lui on sait pas. Donc on va faire au pif. Enfin, on va juste appuyer. Et voilà. Dès que c'est bon, ça va s'activer. Ça c'est la technique quand on savait pas le dernier. Ok, on a la petite clé. C'est parfait. On va appeler le drone, on sait jamais. Oh oh. Oh oh. Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Oh oh, me regarde pas comme ça, toi. Il faut que je le tue ou pas? Wesh, calmos, 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 calmos. Calmos, calme. Oui, c'est bien, mon grand. C'est bien, mon grand. Ah, je rigolais! Allez, je me casse. Wesh, une course. Dinguerie. Vite. Bam! Allez, tiens, cher. Oh, purée, il m'a fait peur. Oula. Tranquille, les gars, tranquille. Ouah, ça m'a fait flipper. On n'a pas loupé d'Easter eggs, j'espère. Ok, on y retourne. Donc là, on a débloqué une carte orange, je crois. Bon, là, on peut toujours pas y aller. Donc, on va aller ici. Je crois qu'il y a un truc caché par là. Ah non, c'est un papier. Ça sert à rien. Y a pas autre chose? Ah, c'est... Ah, j'ai vu un truc orange. Attendez. Juste là. Wesh, laissez-moi passer. Ok, je sais pas. Ça active ça, je crois. Wesh, mais laissez. Je suis bloqué de fou. Par contre, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a là. Si quelqu'un sait. Peut-être c'est dans les autres jeux, hein. Ah, ça a été activé. Ok, mais vous savez quoi? Pendant que l'ascenseur il monte, on va vite fait aller regarder un petit peu partout. Parce que ça me perturbe. Genre, t'as beau faire le tour de la map 40 fois, j'ai l'impression que tu pourras jamais y aller. Et c'est nul. Peut-être qu'il n'y a pas d'easter eggs, hein. Mais bon, de toute façon, vous me le direz en commentaire vu que vous êtes des pros. What? What the fuck? Oh! J'ai trouvé un easter eggs. Wesh, mon premier easter egg. Wesh. Y a pas à me faire peur comme ça. Ok. Bah les gars, au moins on trouve un easter eggs. Bon, y a une truc qui apparaît comme ça. Y a pas des petits trucs là-dedans? Dans les poubelles, je sais pas. Est-ce que la cassette aurait pas activé une porte? Aucune idée. En tout cas, c'est bon à savoir. Il y a une cassette qui s'active à la fin. À la fin du jeu. Donc ça, c'est stylé. Il n'y a pas un truc à ouvrir quelque part? Non. Bon. En tout cas, je pense que j'ai assez visité comme ça. Ouais, y a rien. J'ai assez visité comme ça. Et donc, c'est parti pour prendre l'ascenseur. Il n'y avait pas un truc là? Ah non, c'est la télé. J'ai cru qu'il y avait la clé rose. J'allais péter un câble. En tout cas, c'est parti pour descendre dans les profondeurs abyssales. Tintin, 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 tintin. Oh!
Oh purée les gars, qu'est-ce qui se passe? Oh purée de pommes de terre. Ok, en attendant, j'ai pas très peur. Ah! Wesh, 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 wesh. Wesh, 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 wesh. 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 Oh, ça m'a fait flipper. Oh là là. Même quand tu connais le jeu, il te fait toujours aussi peur celui-là. Oh, mais maintenant j'ai envie de jouer aux autres jeux, mais ils sont payants. Va falloir charbonner les vidéos YouTube si on va vouloir acheter les autres. Bah si vous voulez une deuxième partie les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à tous vos potes. Comme ça, bah je vais avoir un peu de monétisation et on va acheter le deuxième après. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. En vrai, le jeu est vraiment cool. À part les drones que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des easter eggs que j'ai manqué. Sur ce, ciao!